Alors, La fin des sardonites, c'est un texte que Michel Houellebecq a écrit lorsqu'il avait 20 ans. C'est un texte d'heroic fantasy qui était inédit lorsqu'il nous l'a confié et que nous avons fait ce livre avec Gabriel Amoravetz, qui est beaucoup, beaucoup intervenu sur la forme du livre et la manière dont il doit être agencé. Ça fait partie de son travail de plasticienne, de travailler sur la forme du livre. Donc, le dos du livre se présente avec une charnière qui a l'air très ancienne. Ensuite, le titre devant est gravé ton sur ton. Et c'est en fait une boîte qui peut faire penser à un vieil ordinateur, puisque le texte lui-même est un texte qui a été totalement écrit à l'ordinateur. Donc là, on a une première sérigraphie de Gabriel Amoravetz, ici une seconde sérigraphie, ensuite un miroir sans teint où apparaît derrière la sérigraphie et le titre du livre. Ensuite, le texte ici a été cousu. Donc, celui qui souhaite lire le livre doit enlever les fils, puisque ce texte est un petit peu un testament en secret. Au dos, nous avons la signature de Michel Houellebecq et Gabriel Amoravetz au colophon, qui est numérotée, donc à 45 exemplaires. Donc, le livre, en fait, une fois décousu, se présente ainsi. Michel Houellebecq souhaitait qu'il se présente comme un texte qui aurait été craché par un ordinateur pour donner à vivre les derniers soubresauts d'une civilisation. D'ailleurs, le livre se termine, ils s'en vont vers le pire. Et donc, ça a été fait par blocs, comme ça, avec des slashes, sans qu'on tienne compte de la forme versifiée du poème. Voilà. Et ça donne l'impression, effectivement, d'être sorti d'un ordinateur des années 70. Et lorsqu'on soulève la dernière partie, on a donc cette sérigraphie qui présente une forme d'apocalypse ou de champignon nucléaire. Enfin, c'est à imaginer comme on le souhaite. Voilà. Ça, c'est la première version du livre. Et avec exactement les mêmes éléments, c'est-à-dire qu'on a tout le miroir, les papiers, toutes ces choses, puisque là, le papier, Gabriella, nous avons travaillé avec elle sur les papiers qui sont très mats au départ et de plus en plus brillants, les papiers noirs. Et sur celui-ci, qui est l'exemplaire de voyage, donc c'est la seconde partie du tirage du livre qui est en plus petit format. Voilà, on a donc ici le miroir. Où se reflète le titre du livre. Ensuite, la première sérigraphie qui ici est pliée en deux. La seconde sérigraphie qui est également pliée en deux. La troisième sérigraphie et le texte qui se déplie toujours de la même manière que dans l'autre livre, signé ici et là. Et sous ce calque noir, on explique comment, à travers une seule édition, deux livres complètement différents ont été créés avec les mêmes éléments. Et c'est Bernard Soria qui a réalisé tout ce travail et toute cette mise en œuvre. Ce livre a été fait en 2016. Et je crois que Michel Houellebecq l'a bien apprécié.